Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And we'll see in this video les expressions, but then more precisely, only one French expression. And here it is: Faire du lèche vitrine. Faire du lèche vitrine. Faire du lèche vitrine. Okay, and here is the translation in English: Faire du lèche vitrine. And let's see one example: an example. J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. Et of course, if it's a teenager, then this, this sentence wouldn't be possible. <laughs> But then let's assume this person is not a teenager. So, j'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. So, let's see now if you want to put this um, expression, faire du lèche vitrine, At the past tenses and so i've been deciding to put nous just to change a little bit nous avons fait du lèche vitrine so this is the passé composé nous faisions du lèche vitrine imparfait nous venons de faire du lèche vitrine and this is passé récent nous avions fait du lèche vitrine and it's plus que parfait okay so one more time nous avons fait du lèche vitrine nous faisions du lèche-vitrine, nous venons de faire du lèche-vitrine, nous avions fait du lèche-vitrine. And let's see a few other tenses. And the first one is futur simple, nous ferons du lèche-vitrine. Nous ferions du lèche-vitrine, in that case it's conditionnel présent. Nous allons faire du lèche-vitrine, this is futur proche and que nous fassions du lâche-vitrine, dès ses subjonctifs présents. So, one more time. Nous ferons du lâche-vitrine. Nous ferions du lâche-vitrine. Nous allons faire du lâche-vitrine. Que nous fassions du lâche-vitrine. Voilà, au revoir et à bientôt.